Alors. Hop. Chose. Ah, désolé, j'ai un peu la gorge prise, c'est pas. Bon, avec, hein. Je vais avoir une voix de. Chaque l'autre jour, vous avez. Il y en a certains qui m'ont signalé que j'avais une voix vraiment bizarre. Alors, autant vous dire que je vais exceller dans le domaine. J'ai attrapé un coup de froid. Que je suis en pleine crise. Ça aide pas. Mais bon, on va y arriver. Donc, on repart. Tout point d'hôpital. Hop. Donc là, pour ce soir, on repart sur je vais avoir plusieurs infos à vous donner. Je vous avais dit samedi, on fait avec Pépito la coop des Tomb Raider. Sauf que on était parti dans l'idée de prise. Mais, bien évidemment, j'ai mené ma petite enquête. Riz est le seul qui n'est pas en coop. Donc, samedi, nous partons sur Shadow. Il faut qu'on voit encore l'heure avec Pépito, mais ça risque d'être sur les coups de 14h30, 15h. Sur coup, Albion, on a laissé tomber. Donc il n'y aura plus Albion le mercredi avec Tortue, mais on va se trouver un autre jeu. Je suis en train de voir. On cherche, on trouvera. En attendant, la folle va continuer à gérer son hôpital. Non, on a plein d'autres jeux. Je vais aussi, dès que là, sur coup, on a fini les deux frangins, là, qui est le jeu des deux frangins. Donc, on va partir aussi, on va retourner sur Prey, que je n'ai pas beaucoup avancé. On a Prey, on a Dragon Inquisition, qu'il faut que je finisse. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On en a plein des jeux. Et demain soir, on a le nouveau jeu Epic. Je n'ai pas regardé encore ce que ça va être. Donc, je ne sais pas si il va valoir le coup. Pas, on va voir. Et en plus, on arrive à la fin du mois, donc avec le Prime Gaming, on va avoir les jeux de Prime Gaming, donc que vous pouvez avoir avec Amazon Prime. Donc sur quoi on va avoir encore une grosse session de jeux Amazon Prime. On va voir. Mais de toute façon, là, je pense que honnêtement, on va continuer comme on fait jusqu'à là. Je vais pas faire de planning à proprement dit, parce que, comme on m'a fait remarquer déjà ce tantôt, ma vie est un peu trop. un peu trop monopolisée par tout ce qui se passe autour pour que je puisse faire un planning et m'y tenir à cheval. Comme quand voilà, je me lance en live et que mes voisines sonnent pour me demander un dépannage sur leur téléphone ou un coup de main pour ceci. Voilà. Donc voilà. Mais on va y arriver. Va y arriver. De toute façon, j'ai dit, je pense que je vais m'acheter une pancarte pour mettre à ma porte pour dire pas dispo. Repassez plus tard, pas dispo. Donc voilà. Mais on va y arriver. On va y arriver. Et donc voilà, pour toutes les nouvelles. Donc pour cette fin de semaine, voilà, samedi, pour sûr, on va se faire Tomb Raider avec. Je pense que dimanche, on va se faire du Fortnite. Je pense que je vais caler une session Fortnite dimanche, quand même, histoire de maintenir Fortnite. On va aussi peut-être. Faire un peu de plateau, on va voir. Dimanche, je pense que je vais peut-être faire un live entrecoupé de façon à faire plusieurs jeux en un plusieurs jeux en un
pour passer une bonne après-midi et avec le maximum de personnes de la commune. Voilà. Voilà pour les nouvelles. On va se faire ça tranquille. Voilà. Et ouais, pour l'instant, je vais continuer un petit peu à faire mon planning le matin. Je l'envoie sur mes réseaux, donc TikTok, Insta. Alors Twitter, ne vous inquiétez pas, Twitter, je l'ai, il est actif, mais en fait, je l'ai pas. La phrase la plus concrète du monde. Twitter, en fait, est relié à mon Facebook, donc surtout, il partage directement mes publications, mais je ne vais jamais sur Twitter. Donc, si vous voulez me parler, pour ceux qui sont déjà sur la chaîne depuis très longtemps, il y a le Discord, hein, vous le connaissez. Ouais, déjà pas mal nombreux dessus, mais franchement, ça fait plaisir et ça commence à être assez actif tout au long de la journée, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis autrement, Insta où je réponds, TikTok où quand je vois les messages je réponds. Alors TikTok que je débute, alors ne m'en veuillez pas si je réponds 2 semaines après votre message, c'est que ben, je découvre. Je découvre TikTok et donc ben, des fois je suis là, je dis oh, ben, ça c'était pour les messages, ah d'accord. Donc voilà. Ouais, je suis 37 ans. I tried a new hobby this week, just like my therapist recommended. Antique furniture restoration. Donc voilà, donc surtout, voilà un peu les données. C'est vrai, c'est énormément plus facile de contacter sur Instagram, Facebook. J'y réponds. Facebook, il y a beaucoup de monde, mais beaucoup de monde n'est pas qui ne sont pas sur la chaîne. Enfin, du moins, je ne pense pas sur la chaîne. Après, Instagram est vraiment plus restreint parce que surtout Instagram, je l'ai vraiment. Il est partagé sur la chaîne, donc c'est vraiment des personnes qui sont passées au moins une fois sur la chaîne. Bon, Insta, c'est vrai que il y a moins de personnes, donc je facilement. Là, nous avons une panique dans la salle. C'est quoi ça? Diagnostic au facile. Ok, donc c'est la salle médecin généraliste. Pas la médecin généraliste, c'est la salle. Alors, jusque-là, j'ai échappé au Covid. J'espère que je n'ai pas attrapé le Covid. Non, mais bon, en même temps, mes patrons ont. Pour 3 patrons, 2 l'ont eu. À dire que je puisse pour l'instant heureusement connaissez bonne nouvelle. Attention, urinating anywhere in the hospital will not be tolerated. Voilà. Ah bon. Voilà, je voulais un peu vous tenir au courant. Donc oui. Là la vidéo de ce tantôt d'ailleurs je l'ai divisée en deux parce que c'est vrai qu'on s'est fait une très très grosse session avec on était parti sur Albion a fini par nous virer. je sais pas qui a viré plus vite l'autre, hein. Si c'est Albion qui nous a viré ou si c'est nous qui avons viré Albion, mais l'état de fait est que Albion a réellement déclaré forfait, donc voilà. Mais on va s'en sortir. On va trouver. Je pense qu'on va réussir à trouver un jeu qui reste, qu'on puisse s'amuser. C'est vrai que j'aimerais sortir un peu du contexte Fortnite où on se retrouve pour des games et puis que ben, malheureusement on est tellement nombreux que ça devient vite. Je suis obligée de choisir. Et ça, c'est vraiment le concept que je ne veux pas. Je ne veux pas choisir entre savoir avec qui.
pas, je pense qu'il y a de moins en moins de monde. Un peu à se tasser. On va avoir un YouTube à côté, ben, on a plateau. Quand même pas mal, on se marre bien. Je vais relancer le DCS et gagner. J'avais dit aussi à la rentrée. Oui, moi la rentrée c'était au mois de septembre. Non, c'est même pas vrai. Je l'ai dit au mois de janvier. Je l'ai dit au mois de janvier que j'allais lancer aussi sur la chaîne. En même temps, je réfléchis à ce que je dois faire. Je suis une fille, j'ai un cerveau multitâche, mais faut pas abuser. J'avais dit que j'allais lancer sur la chaîne. Celle-là, ouais. Et c'est tout. Parce que on va se retrouver à court de personnel grave. Ça va pas le faire. Donc j'avais dit, ouais, sur la chaîne que j'allais lancer. Et je vais le faire parce que ça me tient à cœur. C'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Des escape games. Donc j'ai déjà repéré quelques jeux escape game, je les ai déjà installés sur mon PC, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de les lancer totalement. Mais c'est prévu que oui, nous partons aussi un peu sur des escape game. Et que j'essaierai vraiment de... Je vais voir, je vais peut-être réinstaller OBS pour essayer de tester. J'aimerais faire les escape games, mais j'ai trop de retard sur Twitch Beta. Et surtout, si on fait les escape games et que je vous demande attendez, je suis coincée, qu'est-ce qu'on peut faire là, s'il faut que j'attende 10 minutes la réponse, y'a pas moyen de faire. Ouais, il va me faire un des psys, parce qu'il y a une file d'attente chez les psys. La folle va mettre des cabinets de psys. Hop, on va s'en caler, je pense qu'on va s'en caler deux bâtiments, deux trucs comme ça. Et on a plus de thunes. Ah ben on est fauché hein. On est fauché. Ils sont en overdose, les psys. guérir 10 patients souffrant de maladies animales. Donc déjà, normalement, on en a déjà 4, donc ça veut dire que c'est prêt. Valeur de l'hôpital, ok. Patients souffrant de fièvre nocturne, d'accord. Okay. Ça va le faire. Rent an eel for all of your short-term eel-based needs. Ça va le faire. This is Two Point Radio. J'ai encore un... J'avais prévu, je m'étais déjà acheté un autre bâtiment déjà. Ok. Cette musique, je la connais pas. Il y a encore des morts. Bon, les psys, vous fichez quoi là? Je sais que les thérapies ça prend du temps, mais quand même. Peut-être pas abîmé. Bon, ils sont presque sortis, donc surtout là ça va commencer à bien tourner. Beaucoup de médecins vont réintégrer leur place. Les médecins et les infirmiers, donc ça va. Ça va être bon à prendre.
Merci. Oui. Que des petits là, ça. C'est grave. Là, on va faire un pour un petit premier là, tu vois les chiens. On va le faire se promener chez le psy. Oh, choix des patients, c'est rare que je le fais. Hein. Ok. Attends, j'aimerais embaucher un autre psy. Ou alors libérer un médecin d'ailleurs pour. The latest invention from Bungle is here. The automatic nocturnal nail robot. This sentient little fellow will clip and file your nails while you sleep. This if you're crazy enough to let one inside your house. Le point sur ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Alors, il n'y a pas de porte de sortie là-bas. Ok. Je vais déjà faire ce petit tag ici. Alors, attention, là, on s'en fout. Bureau général, là. Pharmacie, je vais remettre une. Bravo, vous avez satisfait la requête, d'accord. Okay. Et là, c'est le nom de la requête. Ah si, j'ai pas de sens. Là, à 15 minutes.
Ah là, c'est la voix d'un tueur. Là, c'est bon. Après, la ligne cardio, j'en ai refait un. Pas commune. Psy, on a 4 salles de repos. Ok. L'avantage, c'est qu'on a un peu de tout. Music's in my blood. The doctors say it's nothing to worry about, though. So I'm just gonna keep playing records till someone tells me to stop. J'essaie de voir ce qui passe dans les trucs, où est-ce qu'il y a vraiment d'attente. Regardez l'autre bâtiment pour quand ça tournera un peu moins. Nigel Bickleworth on 2 Point Radio.
Hello, my dear confidants. Sir Nigel Bickleworth, hero of the cultural elites, has arrived to grace your radio with his infinite insight and good taste. Cardio, j'en monte un deuxième. Bien sûr que ça commence un peu à être stationnement autour du cardio. Il faudrait vraiment pas que ça stationne. Assistant wanted in reception. De nombreux patients attendent. J'ai l'air d'avoir paniqué d'attente. Ok, c'est froid. Quand ils sont froids, ils sont morts. I thought I spotted Jumbo McNally, the genius businessman who heads Jumbo Corp, walking into our studio this morning. Alas, it was merely a cardboard cutout advertising his upcoming lecture on the financial future of Two Point County. I've signed up to hear his inspiring words, and so should you. Thank you.
36. J'ai pas l'impression. Ah si, attends. Ici, bon. Assistant required in marketing. If you're feeling weighed down and clogged up with bad things, why not rinse yourself out by drinking Swim? Our mixture of compressed plant matter will go straight through you, taking with it the poisons of everyday life and much, much more. Thanks, Swill. May cause unsolicited and incessant excretion. This is 2 Point Radio. Donc là maintenant, il faut guérir 20 patients à sa commune des fractures. En fait. Réputation à 70%, 80% pour s'en aller à 72, guérir en sa fracture et lancer des campagnes de marketing. Ok. Ok, ok. Alors, on va refaire une autre salle des fractures. Cette salle des fractures, elle prend une place. Ça va être rapide. Par contre, j'ai pas mis de chauffage. Ouais.
pauvre. Devoir rester au dodo et en plus on leur colle pas de chauffage. On va pas le faire. Hop là. Voilà. Une ou deux salles de magnétisme. Could patients please use the toilets provided? Ah, une cafétéria. Rien. Has opened in Blighton, so naturally I visited it for today's Sir Nigel Reviews. I must say that Barlow and Stricker Antiques is a terrible disappointment. The only real antiques appear to be the owners, who surely belong to another century, if not another world entirely. One to avoid. I'm just cut the game. Now taking applications for a new PA announcer.
Point Radio. The weather report. I'm expected to read the weather. Well, if I must. Chances of precipitation have increased exponentially due to a higher concentration of moisture at high altitudes. And that's the weather. Edition of my guide to good manners, I tackle the tricky subject of hat wearing. When to wear one, when to remove one, and when to doff one. The answer to all these is, of course, never. None of you would look as remotely debonair in a hat as I do, so stay away from them. Alors,
tired of thinking for yourself? Wish you could donate all your money. Join the Orb Foundation today. The Orb is the perfect shape and the perfect solution. More 2 Point, more often. This is 2 Point Radio. Noticed the composer of the piece of music I played earlier was Cornelius Stuckenglock. He led an interesting life, did old Cornelius, briefly married to a jacket potato. But then, genius does lead to the odd eccentricity or two. Thank you.
Point Radio. You're listening to the voice of Harrison Wolf, Two Point Radio's third highest rated DJ. Stick around if you want to hear me talk some more. Yesterday, I discovered I was a mongoose in one of my previous lives. Then I went back even further and found out I was also a pterodactyl. Weird thing was, I still had a radio show I could do every day. Je viens de me le dire maintenant. Mais par contre, faut pas encore la faire. The health inspector is coming. Please try to look healthy. Sur la salle commune. On va essayer de faire une autre salle commune. Ah, j'ai rien. Je vais faire
Spring pour le coup. Jumbo's new range of smart glasses and contact lenses can now send targeted advertising straight into your retina. Not so good if you're driving, but what's a few car accidents when you can find out all about those products you didn't know you needed? Thank you.
only Jumbo Medical Solutions guarantees that you die anywhere else. We take Jumbo Card, Jumbo Mega Card, and Jumbo Plus members are eligible for experimental treatments. Jumbo Medical Solutions. Fork it over. 24 hours a day. This is 2 Point Radio. And Wolf on 2 Point Radio. I'd almost forgotten how much I hated that song. It's like when you stub your toe and it hurts, but a week later you think, it didn't hurt that much. Then you stub your toe again, and you remember the pain, all the pain. Let's hope this next song doesn't sound like a stubbed toe. Maintenance required in psychiatry. Thank you.
My latest attempt at finding a hobby, bird watching. Man, those things are fast. Also, people get nervous when you carry binoculars wherever you go, especially when you're staying in their back gardens. Point Radio's roving reporter Sally Fig Blanket visited some local hospitals for her latest piece. And you'll be able to enjoy it just as soon as we figure out how to show it to you. Et demain, on se fait la troisième.
Demain, je fais la troisième. Hop, la prochaine. Ok. Je vais me reposer un peu parce que ça a été. Bref, comment? Donc, à demain. Bonne soirée, tout le monde.